on la trouve au-delà de 350 mètres d'altitude. Ray Santaana et Chris Gimbaldi sont en quête de créatures éblouissantes particulièrement difficiles à trouver, encore plus à photographier. Mais c'était avant que Chris n'arrive à établir une relation avec elle. Avec un peu de chance, elles sortiront du couvert quand il va les appeler. Il dépose quelques friandises et attend les gourmandes. La patience des deux hommes est vite récompensée. La voilà. Une brève de coq. Splendide. C'est une espèce très mal connue. La brève de coq est d'une grande timidité, mais ce mâle a été alléché par son mets préféré. Ces oiseaux vivent sur le sol de la forêt, ne volant jamais sur plus d'un mètre ou deux pour se nourrir ou appeler leur partenaire. Peu après, la femelle arrive pour partager le festin. Cette espèce de passereau vit exclusivement sur l'île de Luçon. Elle est adaptée à cet habitat spécifique et ne quitte jamais l'île. Il en va de même pour de nombreuses espèces endémiques de l'archipel des Philippines. Chaque île a les siennes, qu'elles soient terrestres ou aquatiques.